Oui, je sais. Mon travail consiste à appuyer sur ce bouton pour que tu puisses rentrer. Je compte sur toi pour devenir le champion des astro-singes. Je n'étais pas prêt d'oublier sa promenade dans l'espace. Hein? Waouh! Ce petit citadin n'arrête pas de voyager! George savait par quoi il devait commencer. Dévisser l'écrou en se servant de cet outil. Pourquoi ça ne marchait pas? Pourtant, il connaissait le mode d'emploi. À gauche, on dévisse. À droite, on visse. Il n'était pas le premier à confondre dévisser et visser, mais le premier à se tromper dans l'espace. Au fait, est-ce que je vous ai signalé que dans 2 minutes, il sera à court d'oxygène? Et c'est maintenant que vous le dites? George, tu dois accomplir ta mission sans tarder. Je veux dire, termine et retourne dans la navette le plus vite possible. C'était très facile de changer les pièces défectueuses. Enfin, pas tant que ça. Peut-être fallait-il placer les nouvelles pièces à l'endroit exact où se trouvaient les anciennes. Le trou avait une forme très différente. George, retourne tout de suite dans la navette. George, je vais aller le chercher. Sans câble de sécurité? Certainement pas. Qu'est-ce que je peux faire? Finalement, il n'avait pas une forme différente du tout. Il ne lui restait plus qu'à revisser l'écrou. George, dans 5 secondes, tu n'auras plus d'oxygène. Tant pis, je sors le chercher. Non! Vous allez dériver dans l'espace! Voyons maintenant si nous pouvons à nouveau téléguider le télescope. Mission réussie! Vous pouvez revenir sur Terre. Oh, ce n'était pas dans 2 minutes, c'était dans 1 heure et 2 minutes. Oh, autant pour moi.